Le 16 juin 2019, Nathalie Baye a publié, sur Instagram, une sublime photo de sa fille Laura Smet et de son époux, Raphaël Lancret-Javal. Issue de leur mariage religieux célébré la veille. Mariage de Laura Smet, Nathalie Baye dévoile une superbe photo des mariés. Une belle cérémonie officiée samedi 15 juin 2019. Date de l'anniversaire de Johnny Hallyday. C'est à une date chargée de sens, le 15 juin 2019, que Laura Smet a décidé de se marier pour la deuxième fois avec Raphaël Lancret-Javal, qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs années. En effet, l'actrice et réalisatrice de 35 ans a épousé religieusement son homme de 49 ans au sein de l'église Notre-Dame des Flots de Lège-Cap-Ferret, Gironde, le jour même de l'anniversaire de Johnny Hallyday. Une date hautement symbolique puisque le taulier, décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, aurait dû fêter ses 76 ans. Le couple s'était déjà uni civilement à la mairie du 7e arrondissement de Paris le 1er décembre 2018. Évidemment, toute la famille de la comédienne était présente pour cette occasion que les proches n'auraient ratée pour rien au monde, à commencer par sa maman, Nathalie Baye. L'immense actrice française de 70 ans a d'ailleurs publié le lendemain, 16 juin, une superbe photo de sa fille au bras de son mari à la sortie de l'église. Immense sourire, robe immaculée, créée par Delphine Manivet, et pétales de rose blanc, cette sublime image n'a pu que plaire aux 53 000 abonnés de Nathalie Baye. Photo prise par une maman extrêmement heureuse, a-t-elle commenté en légende. Laura Smet a également pu compter sur la présence de son grand frère David Hallyday qui l'a conduite jusqu'à l'hôtel, de ses nièces Ilona et Emma Smet, les deux filles de David. Mais aussi sur celle de son parrain Dominique Bénehard, celle de son amie proche Melita Toscan du Plantier, celle de son ex-compagnon Frédéric Bébédé et celle de Bernard Montiel. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste, C8, a publié une vidéo de la cérémonie réalisée à l'intérieur de l'église et une photo prise avec Laura Smet et Nathalie Baye à l'extérieur. De leur côté, Laetitia Hallyday et ses filles Jade, 14 ans, et Joy, 10 ans, actuellement en France, ont participé à l'inauguration d'une esplanade portant le nom de Johnny Hallyday, à Toulouse, également le jour de l'anniversaire de Johnny. Mon homme est si fier aujourd'hui de cet hommage, et je sais qu'il aurait souhaité notre présence, à tous. Il est heureux de la présence de tous ses amis et de tous ses fans, nombreux beakers qui nous ont entourés depuis l'aéroport pour trouver la force d'arriver jusqu'à vous, a-t-elle notamment déclaré lors de la cérémonie.